Réfléchissez. Ce que je dis là. On fait du mal. C'est pas grave, on est libre. On vole. C'est pas grave, on est libre. Au nom de la liberté, on ment. C'est rien, un mensonge. Alors, ce qui est marrant avec le mensonge, c'est ceci. On dit souvent, oui, mais un mensonge pue. Mais quand on dit ce mensonge pue, c'est rare, ça. Vous savez, c'est juste pour contourner, pour ne pas faire du mal. Non, quand on ment, c'est parce qu'on a envie de mentir. Très souvent, c'est comme ça. Non? Oui, non, vous êtes là, oui. Oh! Non. Oh! Je ne suis pas gêné, il n'y a pas de problème. Non, souvent quand on ment, c'est comme ça. Certains, je réfléchissais, c'est ce matin que je réfléchissais sur cette méditation-là, comme ça. Je réfléchissais. Certains se sentent tellement libres. Ils trompent leur femme, ils trompent leur mari. Je suis comme ça. Non, mais ta liberté, elle brise ton ménage, elle explose un ménage. Si être libre, c'est exploser un ménage, c'est de mettre des enfants, je vais dire ainsi, à l'index, qui ne se sentent pas bien, il leur manque quelque chose. Alors c'est quoi ta liberté? Est-ce que c'est vraiment une liberté? Ou c'est des chaînes? J'étais plus loin dans cette méditation. D'autres se sentent libres de prendre de la drogue. Et ils deviennent addicts. J'ai connu des personnes, ils m'ont dit qu'ils allaient jusqu'à 17 pétards par jour. Bob Marley, on a entendu passer. Et tu peux pas, tu peux pas être conscient. Et tu es dans un état second. Et il y a quelque chose qui ne va pas là. 17 pétards par jour. Et puis il a été plus loin. Et il est parti vers la cocaïne. Et encore d'autres, excusez-moi, crasse. J'ai connu un jeune homme il y a quelques années. Et on lui parlait. On voulait le sortir de là. On aurait voulu qu'il s'accroche au Seigneur. Parce que lorsque tu t'accroches au Seigneur, ça nous délivre. Je ne sais pas si vous savez, le Seigneur délivre. Oh, il délivre. Comment? Combien c'est important? Je me souviens, il était devenu schizophrène. Et la drogue, c'était fini. Mais voyez-vous, quand on prend toutes sortes de drogues, peu importe ce qui se passe dans l'esprit. Quand on prend une drogue, on déplace la réalité. Entre la réalité et, je vais dire ainsi, l'imaginaire, il y a une frontière. Et lorsqu'on prend tous des stupéfiants comme ça, on la déplace. Et quand on n'en prend plus, parfois ça ne revient pas à la bonne place, à la frontière. Alors, on entend des voix. Et ce garçon-là, après, il se soignait, il était suivi médicalement, on lui donnait des médicaments, et quand il prenait des médicaments, ça va, ça allait. Alors, je discutais avec lui, parce que il faisait vraiment de la peine, pas de la pitié. On avait de la compassion tellement qu'il souffrait. Et il me disait, mais Tony, je comprends pas, j'entends des voix. Je lui dis, ben oui, c'est toute la grâce que tu as pris. Malheureusement, quand on prend ces médicaments-là, on se sent bien et puis on n'en prend plus. C'est vraiment un cercle vicieux, on n'en prend plus, on devient schizophrène, on n'en reprend plus. Et là, un jour, ben, il a totalement dépéri, il en est mort. Il en est mort. La drogue. Est-ce que c'est ça la liberté? Je pense pas. Outre, c'est l'alcool. Ah, l'alcool. On devient... Oui, on peut devenir prisonnier de l'alcool. La première des choses que produit chez quelqu'un un manque d'alcool, c'est une destruction psychologique. Par un manque de confiance en soi, non, d'estime en soi. C'est plutôt ça. D'estime en soi. On se devient, et lorsqu'on est en manque d'alcool, on devient, et on se sent incapable de tout. Et j'ai remarqué, lorsqu'on est dans ce manque-là, j'en ai côtoyé quelques-uns, quand on est dans ce manque-là, eh bien, rien n'est beau. Tout est laid. Dans l'aspect psychologique qu'ils vivent, eh bien, tout est laid. C'est vraiment terrible. Rien ne vaut la peine. Pas de joie. Et à la moindre contrariété, c'est la dépression.
on pleure à fond de larmes. On ne peut rien contrarier. Il y a un manque, il y a une instabilité psychologique qui s'installe, quelque chose de terrible. Alors, vous savez ce qu'on fait? On boit pour oublier, pour oublier ça, la laideur qu'ils vivent, pour oublier. Et quand on boit pour oublier, c'est ce qui arrive à ce moment-là. Eh bien, on reçoit un peu de joie. C'est pour ça qu'on reboit, on reboit. Ça, c'est le lien psychologique. Je me souviens de quelqu'un. C'était un bon vivant. Vous avez déjà entendu parler de ça? Bon vivant, waouh! Quand on le voyait, il était vraiment quelqu'un de joyeux, il plaisantait tout le temps. Mais il était toujours. On ne voyait pas, hein. Mais il nous dit ça va en mettre en coucou. Je vous l'assure que ça va en mettre. Hein. Mais c'est quelque chose de terrible, c'était vraiment marrant. Alors, il était revenu de vacances. Un truc thermal, quelque chose de thermal. San Pellegrino. Voilà, ça se trouve en Italie. Il était revenu de vacances de San Pellegrino. C'était une vacance, quelque chose de thermal. Je vais tout près. Et je demande, alors ça a été, je ne dirai pas le nom. Hein. Ça a été la vacance là-bas, à la station thermale. Il vient à mon oreille parce que son épouse ne pouvait pas entendre. Il me dit, Tony, j'ai tout bu, sauf de l'eau. Il avait tout bu, sauf de l'eau, mais il était toujours bourré. Il était toujours bourré. Et quand on le voyait, ah, c'était un bon vivant. Mais il fallait le voir aussi. Au matin, à l'étage, il n'y est pas. Il était tiré, tout l'agacé, tout l'énervé. Il fallait du pétrole pour que ça vienne. Et il fallait nourrir la chose pour que ce soit bien. Et en constante prise à l'alcool. Mais vous vous rendez compte? Elle était libre de boire. Non. Elle était prisonnière par l'alcool. Et je me suis fait certaines réflexions. Lorsqu'on a bu, on allait dans le manque d'alcool, on ne sourit jamais. On est mal, triste, malheureux. Et je me suis fait vraiment une réflexion. De plus en plus, les jeunes, pour passer une bonne soirée, se sentent obligés de boire. J'ai remarqué ça. Maintenant, à l'heure actuelle, c'était pas comme ça avant. Les jeunes, pour passer une bonne soirée, il faut qu'il y ait de l'alcool. Même s'ils ne sont pas encore alcooliques. Je ne dis pas que tous sont bons dans l'alcoolisme, non. Mais c'est bizarre cette chose-là. Beaucoup de jeunes ne savent plus s'amuser sans alcool. Et c'est l'alcool qui produit chez eux la joie. Mais quand j'étais plus jeune, parce que je ne suis pas vieux, j'avais besoin d'alcool pour m'amuser. La jeunesse, elle est joyeuse, naturellement, spontanément. Mais pourquoi cela? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un pli qui a été pris, une emprise psychologique de l'alcool qui oblige les personnes pour retrouver de la joie, pour s'amuser, de prendre ce courage. À chaque fois qu'il y a une soirée, donc il y a une emprise. Où est la liberté? Où est la liberté? Je fais ce que je veux, quand je veux. Non, tu fais pas ce que tu veux. Écoutez, je vais parler de quelque chose encore plus terrible qui passe dans ce monde, dans cette société. On commence peut-être à en prendre conscience. La pornographie. Combien de gens sont pris là-dedans? Et clique, et tout de suite, il y a quelque chose qui va pas. J'ai vu des témoignages, j'ai entendu des témoignages de gens qui étaient addicts, avaient de l'addiction, femme ou homme, à la pornographie. Et ils disaient, avant que Jésus me délivre, je ne pouvais pas regarder d'autres personnes sans avoir une arrière-pensée.
pensées bizarres. Et j'ai vu ces gens-là malheureux, tristes, parce qu'ils étaient enchaînés par la pornographie. Ils ne savaient pas avoir des relations sociables avec leurs collègues, avec leur famille, parce qu'il y a quelque chose en arrière-plan sale qui fait que. Est-ce que c'est la liberté? Être libre, est-ce que c'est prendre du poison pour ton âme? Est-ce que je vous prends un verre, je vous dis voilà, des cyanures dedans, vous êtes libre de boire ou pas boire? Moi je suis libre, je bois. Est-ce que vous ferez ça? Vous direz, mais retire-toi ça un verre, hein? Non? Je ne veux pas être libre de mourir. Mais la liberté, dans la vision que cette société, ce monde nous propose, elle est mortelle. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être libre, loin de là. Dieu créa l'homme libre et l'homme créa l'esclave. C'est ça qui est étrange, non? Il faut en parler. On a quelque chose à échanger. New life. Vous savez ce que ça veut dire, new life? Nouvelle vie. Amen. Ce n'est pas qu'un titre. C'est quelque chose, on y croit. Parce qu'on a eu des gens, des personnes, leur vie a été changée. Amen. D'autres, c'est moins flagrant. C'est peut-être la haine. La haine est pourrie. Elle est pourrie de l'intérieur. Il n'arrive pas à pardonner. Mais sais-tu que Jésus peut te délivrer de ça? Donc c'est la violence. C'est la même chose. Il y a des gens qui sont violents de nature. Non, c'est pas de nature que tu l'es devenu. Tu l'es devenu. Bien sûr, il y a de rares exceptions. D'autres, c'est la colère. On a besoin de main du Seigneur. De dire, Seigneur, je me soumets. Pas on te soumet. Non. L'absurdité, c'est que l'objet de la liberté peut devenir et nous rendre esclaves. C'est ça qu'il dit. Et Dieu s'est délivré. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, le répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Si tu te livres au péché, c'est-à-dire, oh, je fais ce que je veux, je me jette dedans, c'est pas qu'il t'arrive de pécher. Tout le monde s'arrive de pécher. Mais si tu te livres au péché, tu deviens esclave du péché. C'est-à-dire que le péché devient ton maître et il te détruit. Quelle est la chaise sur laquelle tu es assis? Waouh! C'est beau ce que je dis. Mais il vaut mieux le savoir. Parce que lorsqu'on sait, on commence à connaître la vérité. On commence à connaître ce qu'il faut pour vraiment pour que ta vie devienne belle, que ta vie soit transformée, changée. Et ça, c'est vraiment important. Il est écrit, dans la Bible, il est écrit c'est des choses extraordinaires. La Bible affirme que le seul chemin pour la liberté, c'est de passer par Jésus. Pas par une religion, pas par une philosophie, pas par un système, et non pas qu'on ne se fait pas aider. Si tu as des problèmes d'addiction, il y a des médecins, et merci Seigneur. Amen. Dieu peut te délivrer aussi comme ça. Il n'y a pas à choisir. Ou il peut te délivrer aussi à travers un médecin. Mais c'est pas ça. Mais lorsque tu passes par Jésus, la véritable liberté, tu peux la saisir, l'obtenir, et ta vie va changer. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Que faut-il faire? Ben, il n'y a pas de choses compliquées, vous savez. On croirait que ça serait devenir un grand théologien pour recevoir Jésus. Justement, parfois, trop chercher, je veux dire, c'est ce qu'on dit en italien, le poil dans l'œuf. On finit par rien trouver. Et certains, dans leur nourriture, ils disent, il y a un poil, il faut l'enlever. Il fouille partout. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on a besoin, si on veut chercher, tout d'abord, et on regarde, nous avons besoin de la foi. Jésus le dit. Et celui qui garde une foi en lui, c'est-à-dire qui espère en lui, eh bien, va devenir réellement libre.
C'est la première chose qui est demandée. C'est d'avoir de la confiance en son amour. Vous savez ce qu'il est écrit ? Car Dieu a tant aimé le monde, et je vais m'arrêter, il m'a tant aimé à moi, à toi, à toi, à toi, à toi, à toi, béni. Amen. Qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit, quiconque c'est vous, c'est moi, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est gratuit. C'est quelque chose de gratuit. Si tu veux être libéré de quelque chose dans ta vie, et surtout le péché, eh bien, va vers le Seigneur. Et foi en cet amour-là. Non seulement il nous délivre, mais il nous affranchit de l'esclavage. Savez-vous que Dieu veut nous affranchir de l'esclavage? C'est quelque chose de merveilleux. Vraiment, il rentre dans les circonstances, dans les situations, et il arrache la personne des choses. Non seulement des addictions, mais même du péché, qui ne plaît pas à Dieu. Le problème, c'est que l'homme n'arrive pas à s'approcher du Seigneur. Vous savez pourquoi nous sommes tous des pécheurs, non? Est-ce qu'il y en a un qui va me dire que je n'ai pas péché, moi? Vas-y, Seigneur. Parce que sinon, on le lapide tout de suite. Et c'est le péché que nous avons éloigné de Dieu. Vous savez ce que le Seigneur veut? C'est que nous croyons en lui, son amour. Il a tout payé sur la croix. T'as plus de tête. Le pire, je sais quoi? C'est que c'est gratuit. Il a pris tes maladies, tes fardeaux, tes péchés. Ce qui te séparait de Dieu, il l'a pris. Il l'a pris sur la croix. À un certain moment, il a crié, « Pourquoi m'as-tu abandonné, Père ?» Il a été abandonné sur la croix. Maudit sur la croix pour mes péchés. Pour tes péchés. Le prix a été payé. Et maintenant, tu peux t'approcher de Dieu. Aucune religion ne peut t'approcher de Dieu. Mais si tu as la foi en Jésus, tu peux t'approcher de lui. Et là, tu vas voir la réalité, la vérité des choses. Tu vas voir l'amour de Dieu et tu vas voir qui tu es. Il ne va pas t'accuser de tes péchés, mais il va t'en convaincre. Dans ta vie, il y a ça qui ne va pas, ça qui ne va pas, ça qui ne va pas, ça qui ne va pas. Et il va te donner la force de transformer. Et tu vas pouvoir devenir heureux. Oh. Moi, j'en fais un peu. Et vous, c'est rien pour vous. Lui, il n'est pas heureux. Moi, oui. J'ai envie d'être heureux avec le Seigneur. Et vous? Amen. Je veux que la vie change. J'ai quelque chose à partager. On a quelque chose ici, l'équipe du live a quelque chose à partager. C'est pour ça que nous avons fait cette rencontre. Peut-être une autre fois, ça sera autre chose. Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, on veut partager ça. On veut partager Jésus. On veut partager la liberté. Et Jésus veut changer ta vie totalement. Et te rendre libre. Dieu n'emprisonne pas. Ça, c'est la religion qui emprisonne. Jésus rend libre. Je vois mon frère, en effet. Quelle vie qu'il a eue. Le Seigneur a mis sa main. Amen. Quelle vie qu'il a eue. Mais le Seigneur a mis sa main. Et combien d'entre nous pourraient dire quelle vie qu'on a eue. Mais le Seigneur a mis sa main. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est vivant. Amen. Alors ce soir, je vais m'arrêter, sinon je suis parti jusque-là au culte. On sera tous là. Je vais m'arrêter. On dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Il te donne la vraie vie, une vie en abondance, il transforme ta vie. Tu viens, Salvatore, j'en ai été prié, il est à la mort. Il est sorti de son coma. Il a commencé à confesser Jésus. Non seulement il lui a donné la vie de son corps, mais aussi la vie de son âme. Il a pu se réjouir. Hein? Je l'ai mis dans l'eau. C'est bon ça. C'est bon. Nous ne sommes pas abandonnés sur cette planète. Notre Créateur nous aime. Il nous a créés à son image. Et il veut te sauver, te sortir, te donner la liberté. Il veut que tu sois heureux. Notre Dieu veut que les hommes, les femmes soient heureux. Amen.
Voilà ce qu'on va faire. On va prier. Je vais boire, si quelqu'un peut me servir un verre d'eau. C'est pas d'alcool. Nous allons prier et demander à Dieu. Moi, j'ai aimé le garçon qui a prié avec la bouche fermée, hein. Il ne se rendait pas compte. Mais si tu veux que ce soir, tu t'en rends compte toi-même, bien Jésus, nous allons prier simplement. On s'adresse à Dieu. Et ce n'est pas une religion, ce n'est pas une méthode. C'est une personne. Il est écrit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus qui dit ça. Nous avons le libre entrée dans la présence de Dieu grâce à Jésus. Et c'est pour ça que nous voyons la main de Dieu agir dans les circonstances, dans les vies, dans les âmes, dans les cœurs de tout, qui que tu sois. Je suis un miracle vivant de nous. On devait m'enterrer normalement. On ne donnait pas beaucoup de ma peau, hein. Je mangeais les pissenlits par la racine. Mais Dieu veut me guérir. Il l'a fait. Alors ce soir, j'allais dire ce matin, ce soir, ce sera un matin. Si tu veux rencontrer ce que tu ne connais pas encore, si tu as des problèmes, je ne veux pas savoir ton problème. Ou tu veux parler avec quelqu'un en privé parce que tu as honte, c'est normal. Mais n'aie pas honte de Dieu te connu. N'aie pas honte si tu as quelque chose à dire à Dieu, il te connaît. Et si tu veux venir, on va prier ensemble. On va prier ici devant. N'aie crainte. Je vous attends. Si quelqu'un veut qu'on prie, pour quoi que ce soit, venez, on a la porte, on a le chemin. Peut-être là où tu es, tu n'oses pas, tu veux lever ta main, secours peut-être, secours oui, mon Seigneur, tu veux lever ta main. On prie pour toi, lève ta main, simplement. Amen. Il y en a d'autres? Amen. Il y en a d'autres? Amen. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je sais que Dieu peut guérir. Je sais que Dieu peut transformer. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent prier? Amen. D'autres peut-être. Amen. Quoi que ce soit, Seigneur s'est délivré. Et puis, si ce n'est pas fini, je vais donner ce conseil. Dans la parole, il dit, si ma parole demeure en vous, continuez. Que ce ne soit pas une visite chez le médecin. Oui, il peut vous soulager. Amen. Mais vous continuez une vie chrétienne. Moi, ça me fait penser, il y a des personnes qui sont venues ici, qui ont été guéries instantanément. Instantanément, on ne les a plus jamais vues. Dieu ne se repent pas du bien qu'il fait. Hein. Croyez-moi, c'est la réponse que le Seigneur m'a donnée. Je ne me repens pas du bien. Mais c'est pour ça qu'il prenait. Il y avait un coffre rempli d'or, vous savez, quand les petits ont des imaginations un petit peu débordantes, elles sont restées chez moi, je suis toujours jeune, alors. Hein, comme un coffre rempli d'or, et il y a une pièce dessus, une pièce d'or, on prend la pièce, on ne prend pas le coffre. Moi je prends le coffre, et vous, continuez avec le Seigneur, venez, vous allez découvrir quelque chose de merveilleux, de fantastique. Nous allons prier, les personnes qui ont levé la main et ceux qui n'ont pas encore osé, eh bien, je vais inviter aussi les musiciens à venir, et ceux qui n'ont pas encore osé, lever la main, nous allons prier aussi. Peut-être qu'il y a de la peine dans ton cœur, peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ton cœur, qui vraiment t'accablent d'une manière à te toucher. Mais le Seigneur, il sait te délivrer, il sait mettre sa main. Faites l'expérience avec le Seigneur. Commencez un pas, faites un pas avec Dieu. Et vous allez voir, le Seigneur va vous en faire dire. C'est lui qui va venir. J'ai l'habitude de dire quelque chose de spécial, toujours à ce moment-là. Écoutez bien, je le disais quand j'étais enfant, je le dis encore aujourd'hui. Chiche. Ça vaut la peine. Amen. Seulement, priez, frères et sœurs. Ensuite, je vais laisser la musique.
Voilà, nous allons prier. Inclinons-nous. Seigneur Jésus, gloire à toi. Merci Seigneur pour ces personnes qui ont levé leurs mains. Toi, tu connais les cœurs. Tu connais les vies. Tu connais les problèmes, Seigneur. Donc ce soir, nous allons partager quelque chose. Nous allons partager ce que tu nous as donné. Nous allons partager des témoignages. Nous allons partager ta parole. Nous allons partager toutes ces choses. Tu mets ta main. Ce soir, tu es béni, Seigneur. Je te demande, Seigneur, que celui qui a des problèmes de santé, eh bien, qu'il soit libre. Au nom de Jésus. Celui qui a des problèmes d'addiction, Seigneur, qu'il soit libre, qu'il vienne à toi. Que tes paroles restent pour eux. Ceux qui, eh bien, ont du mal, hein, c'est dans la vie. Parce qu'on leur a fait du mal, Seigneur. Tu les sors, Seigneur, de cette amertume, de cette haine, peut-être. Parce que c'est toi qui nous prends à pardonner. Mais aussi, c'est toi qui fais justice. Tu n'es pas un Dieu d'injustice. Tu mets ta main, Seigneur, tu te glorifies. Ce soir, je te prie pour toutes ces personnes qui sont ici, afin que tu les bénisses, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. C'est bien de s'approcher, tant qu'il y a des chants, tant qu'il y a des...